Hey, moi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça va? Ouais, moi ça va très bien. On se prépare à bouger notre coulisse ou... On va aux Ardentes. C'est un festival qui est à Liège. Donc, on doit prendre le train. On va d'abord chez Iris. Et à partir de chez Iris, on va en voiture à Liège. J'espère que ce sera chouette. On y va 4 jours. Le problème, c'est qu'il fera genre grave moche. Demain, j'ai vu qu'elle allait avoir 85% de pluie. Pas ouf, mais bon, on va faire avec. Du coup, on va vous faire des outfits du jour tous les jours en fait. J'ai acheté, c'est un pantacourt, hein. Je l'ai acheté hier. J'ai mis mes baskets que j'aime trop. Elles sont abîmées parce que comme on est sur de la terre, je voulais pas prendre des chaussures trop trop bien. Tu veux faire ton outfit of the day? Mon outfit du jour est différent de celui de Maëlia. Moi je suis à moitié à poil. J'ai mis un petit haut très cute, très décolleté de chez Pretty Little Thing, si vous voulez tout savoir. Et ça c'est une jupe, je pense qu'il y a 10 ans, de Zara je crois. Je rentrais plus dedans, maintenant je rentre dedans. Voilà. La salle fonctionne. Et moi je suis une fausse influenceuse. Elle a dit les refs, j'ai oublié. Là c'est des Nike, ça c'est Weekday et ça c'est Bershka. Allez à toutes. On s'est arrêté un peu plus loin, on va en profiter pour manger. On est parti pour 25 minutes à pied. Là, c'est journée cardio en fait. On est au sport. Mais apparemment, c'est vraiment utile hein, parce que là-bas, il y aura plein d'embouteillages et tout. J'espère bien en tout cas. J'espère qu'on fait pas ça pour rien. Il y a tellement de bruit. Genre là, si vous m'entendez, c'est un truc de ouf. On a pris du rosé avec du tonic. C'est très bizarre, mais c'est bon. Et là, c'est Wey Renoy qui performe. J'écoute pas ses sons, mais franchement, c'est stylé. Là, on attend Chaussman, en fait. S'il vous plaît. Cute. Et... Putain, si je sors, il faut que j'entre avec le butin. Je baisserai pas mon futal, même si la vie est brutale. Sauf si c'est pour te la mettre dans ton orifice buccal. Bitch, fais-moi une gâterie. Dors peu, j'ai plus de batterie. Le cœur plein de cicatrices. J'suis en very, very, very batterie. On fait l'amour, puis la guerre. Un petit mot, Maëlia. Un petit mot à dire. Maëlia. Un petit mot. Je suis rentrée. Je suis tellement fatiguée. J'ai enlevé mes chaussures. Je vais me couper les ongles des pieds. Voilà, si vous voulez savoir. Vous voyez quand genre vous mettez des chaussures et genre ça appuie sur vos ongles. Je crois que j'ai les ongles des pieds trop longs. Là, je suis rentrée chez mon copain. Il est rentré avec moi. C'est juste qu'il est sorti chercher à manger. Moi, j'ai mangé mon hot dog. Donc ça va. C'était grave bien. J'ai été hyper étonnée par DJ Snake. Un truc de fou. Comment c'est un roi. Je sais qu'il est connu internationalement et tout, mais waouh. Genre les effets spéciaux, le nombre de personnes qui étaient là pour lui. Le gars, il fait ça. Tout le monde fait ça. DJ Snake, franchement, bravo. Même si t'as pas besoin de mon bravo, voilà. Je m'en vais dormir. J'ai mal au dos. J'ai mal aux orteils, je sais pas. Je ferai plus jamais les 4 jours. J'ai fait 15 jours déjà, mais je vous le dis, je ne ferai plus jamais les 4 jours des Ardentes. C'est quoi cette histoire? Faut être complètement taré. On est le deuxième jour, je dois y aller. Je serai là avant toutes les filles par contre, donc je vais me balader. Il y a des embouteillages de malade. Mon copain m'a déposé un peu plus loin. Tcha, mince. Il n'y avait plus de trottoir. En fait, c'est comme si je marchais sur un mélange de route et d'autoroute, vous voyez. Il est bientôt 16h et à 16h30, il faut que je sois devant le truc pour Chai. On déclenche des tsunamis, c'est jamais on se naissait. On vibre
l'un pour l'autre. Bonjour Juliane, comment vas-tu? Voilà, enchantée. Elle était sur carrément tous mes premiers vlogs en fait. Oui, qui ont été effacés. Je vais vous montrer. Ils sont pas effacés, ils sont archivés. Ouais, c'est hyper agréable. Je suis avec Iris. Hello. Depuis tout à l'heure, on se dit t'es où? Et on s'est enfin trouvé par hasard. Voilà. Dit bonjour. On va voir Ronisia. J'écoute pas du tout Ronisia. Toi, tu l'écoutes? Ouais, plusieurs fois quand même. J'aurais voulu aller voir la fève, mais en fait, on est rentré dans un espèce de carré devant et genre, tu peux pas sortir et re-rentrer. Tu peux sortir, mais tu peux pas rentrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Hé, hey, les yeux. Salut en fait, j'ai pas votre temps. J'ai pas le temps. Demande à mon agent. Demande sur ma main. Bon, allez. Je suis passé sur YouTube. Bien, tu fais un vlog de qualité. C'est important. Donc moi c'est Jason. Olenga roule sur Insta. Donc voilà, comme ça tu sais. On va voir 21 Savage en fait. Je sais même pas à quoi ressemble. Tu sais à quoi ressemble? Non. Voilà. Non. Mais on connaissait ça. Salut les stars. Chin. En fait, c'est impossible de marcher. Regardez. Attendez, vous voyez pas. Si tu restes trop longtemps comme ça, tu t'enfonces. Ouais, on est en train de rentrer. J'ai plus de voix. Ouais, ouais, moi aussi, elle est un petit peu cassée. Et Gradure. Ouais, Gradure, c'était vraiment stylé. Les gars, depuis le début, je savais qu'elle était bizarre. Mais en fait, je voulais savoir si j'allais ressentir spirituellement. En effet, il y avait des ondes démoniaques. Mais sinon, elle est hyper forte. Ça, je peux pas cracher sur elle. J'écoute depuis que je suis toute petite, avant même qu'elle perce. Je sais qu'elle est forte, mais elle a changé en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, Iris? On doit enlever nos chaussures. Transition qui fait peur. Je suis allée me laver directement parce que j'étais tellement sale. Genre j'avais de la boue partout. On dirait que j'étais à Koh-Lanta. Je suis arrivée seule aux Ardentes ce matin. Pas ce matin, cet après-midi. Vraiment, j'avais envie de partir. Le problème, c'est que je ne pouvais plus partir parce que mon copain m'avait déposé. Et moi, j'ai pas de voiture. Donc j'ai pris sur moi, j'ai marché dans la boue et tout. Mais c'était horrible, je vous le dis. J'ai fait travailler mes muscles comme j'ai jamais fait travailler mes muscles des pieds. 21 Savage, vraiment. On a fui, c'était super ennuyant. Du coup, on allait voir Gradure. C'était incroyable, il a fait ses anciens sons et tout, c'était trop bien. Niska, c'était trop cool, genre il nous a trop ambiancé aussi. En fait, c'est vraiment les gens qui ont du talent sur la scène, qui font des bons concerts. Comme Offset hier, bah il m'a ambiancé de ouf alors que je connaissais aucun de ses sons. Shy, incroyable, elle méritait plus. Il y avait que devant qu'ils étaient à fond. Tout le milieu et derrière, ils foutaient rien. J'étais la seule à chanter, donc ça c'est pas grave, vous connaissez pas, ok. À danser, les autres ils étaient comme ça. Et à applaudir et crier. Vous venez voir un concert et vous êtes juste comme ça. À quoi vous servez? Bref, bonne nuit les gars, à demain. Bonjour population, nous sommes aujourd'hui le 3e jour et je suis en direct avec ma sœur que je n'ai pas montré, elle est dans le lit. Je suis crevée, je me suis préparée très vite. Je vais rejoindre Juliane, on va bruncher, on va parler plus tard. J'ai des nouvelles, pas des bonnes nouvelles. Bisous les tiens. Il est 20h16, vous devez vous dire mais elle est partie aux Ardentes sans nous? Mais non, je n'y suis pas allée. Et je vous dis ça en plus en regardant dehors, il fait tellement beau. J'ai un peu le seum. J'avais plus d'endroit où dormir. À part si je ramenais un sac de couchage, quoi. Donc, bref. D'abord, j'étais avec Juliane. On papote. On avait 3 heures. Et à un moment, on regarde l'heure. Il est 13 heures. Alors qu'elle avait son train à 13h21. Donc, je commande un Uber vite. Ça disait qu'elle allait arriver à la gare à 13h17. Donc, c'était parfait. On aurait pu courir. Elle aurait eu son train. Le Uber est conduit posé, vraiment abusé. C'est dommage dans ces moments-là que j'ai pas le permis puisque j'aurais conduit vite. Et pareil, si j'avais le permis, je serais aux Ardentes là tout de suite. Du coup, Juliane, elle rate son avion, oui. Elle rate son train, donc il faut qu'elle prenne le prochain. Donc j'attends avec elle. Elle a réussi à prendre le prochain, heureusement. Le monsieur a été gentil. Elle a une réduction et tout. Elle a pas dû payer trop cher. Moi, je suis rentrée et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à penser aux Ardentes. Est-ce que j'ai une solution? Est-ce que je connais quelqu'un? Machin. Non, rien. Ça sert à rien de forcer. Hein. Ça veut dire que je devais pas y aller, c'est tout.
Mon copain sera là demain, donc c'est trop cool. Il aime trop ça. C'est mon pantalon. Je sais pas si vous avez déjà vu avec. C'est vraiment un style de pantalon qui me fit. Donc il voulait que je porte ça avec un haut noir. C'est vraiment le genre de haut qui me va. Il est très moulant. Est-ce que je vais l'écouter? Not sure. Parce que je comprends. Je comprends pourquoi il a dit ça. Mais vous voyez, les couleurs, elles sont quand même sobres. Genre, quoi que je fasse, quoi que je veuille, quoi que je décide, je finis toujours avec un haut noir. C'est un truc de fou. Au moins, le pantalon est vert. Mais je suis même pas sûre que j'ai des couleurs. J'aurais pas mon pantalon pyjama. Ce rose me va bien, mais le top en lui-même, je sais pas si c'est mon style. On a ici le deuxième haut que j'ai trop kiffé. C'est tout simple, hein, mais moi j'aime trop. Là, je serai à l'aise, je vais pouvoir bronzer. Je voulais juste tester des couleurs, mais bon, il se trouve que je suis en beige au final. Je vais mettre ce jean. Je pense qu'il me revient à nouveau parce que j'ai perdu du poids. En fait, je rentrais plus dans tous mes pantalons, donc c'était vraiment très compliqué. Oh oui, il me revient. Ça donne ça. Je suis vraiment très à l'aise. Là, je pourrais marcher. Sympa, non? Je suis en train de m'entraîner en fait pour Fali Poupa demain. Honorable Alita Tchamala. Aime-moi. Aime-moi un peu. Leader de leur leader, Simplice et Bata. Coucou, on est dans le train. Yeah. Et ma sœur était pas censée venir, mais je lui ai dit « Est-ce que tu veux venir ?» Et elle a dit « Oui, au bout de 15 fois. » À croire, je l'ai forcée. Ça va être sympatoche. Là, on fait le même chemin que l'autre fois. On va à Waf, puis après, on prend la voiture avec Iris, et puis après, on va à Liège. Ça va être cool. En plus, il fait beau. On n'est pas du tout arrivé à destination. On s'est trompé. On est descendu à Limal au lieu de descendre à Waf. Par ma faute. Je croyais qu'on était arrivé, mais pas du tout. Bon, voilà, on attend l'autre. Il arrive à 45. On a fait des petites pics devant le panneau Limal. Alors, l'outfit du jour, j'ai un petit top noir qui vient de Zara. J'ai un jean vert, du coup. Mais en vrai, vous avez vu la tenue hier, qui vient de Bershka. Enfin, attention, il y a un train qui arrive, là. Et les chaussures, c'est des Adidas. Elles sont balèzes. J'ai dû les mettre parce que, en vrai, elles sont un petit peu abîmées, mais pas de ouf. Mais bon, comme il y a encore plein de terre et tout, je pouvais pas mettre des chaussures trop belles. Il risque des zigzags avec la voix. Bon, on est arrivé. Le chemin était tellement cool, comme vous avez pu le voir. J'ai pas tout filmé. J'étais vraiment en amusement total. J'essaie d'apprendre toutes les paroles de tous les artistes qu'on va voir. Là, les autres sont en train de faire pipi dans la nature. Donc, j'attends. Je vais en profiter pour mettre mon gloss. Et dites-vous que de base, on s'était garé genre à 40 minutes. C'était vraiment trop grave. Vraiment, elle était loin. J'ai appelé mon copain qui connaît mieux les environs et nous a dit où se garer. Heureusement, là maintenant on a 12 minutes, c'est tranquille. On va voir Fali. Handicap la merveille. Like a dungeon dragon.